Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle émission qui s'appelle le That 90 Show. Je vous présente à gauche, en rose, l'équipe des jeunes, contre l'équipe des anciens, en bleu. On va commencer la première épreuve, tout de suite. On l'appelle l'épreuve People. Épreuve People, vous allez devoir deviner qui c'est, au buzzer le plus rapide. Allez, ça paradis. Bonne réponse. 1-0. Attends. Comment tu connais Vanessa? Ok, deuxième question. Ah, c'est les anciens. Agassi. André Agassi. Bonne réponse. Attends. Ah, partout. Je toi, Julien. Je l'ai pas. Qui c'est? Les jeunes. Voilà, 1-0 pour les jeunes. 2-1 pour les jeunes. Troisième. Oh. Shazam. Claire de son prénom. Oh, c'est un pays. Bah, tu vois qui buzz. Mais attends, vraiment le buzz. Mais toi, on est en position de buzzer. Tu buzzes jamais. Attention à concentrer. Incroyable. Claire Chazal. L5. Bien joué. Voilà. Fais-nous la courée. Fais-nous la courée, là-dessus. Popstar, bien joué. Popstar. Ok, un petit point sur les scores. Ça fait 3-2 pour les jeunes. Allez, les anciens. Mais non, on perd un point, ça. Mais tu sais pas qui c'est lui? Si! Lui c'est un youtubeur. C'est celui qui fait YouTube là! C'est quoi déjà? Attends, vas-y! Squeezie! Bien joué! Tu as pas dit lui, t'en sens? 4-2! 4-2 déjà? Allez les anciens, on se réveille! Oh. Ah! Ah, c'est nous hein! Je crois que c'est les anciens qui ont été plus rapides. Je dirais les inconnus! Bien joué! Vous connaissez ça? Ok, on fait un point sur les scores. On est à 4-3 pour les jeunes. Combien de questions il reste? C'est la fin de la première épreuve, on va passer à la seconde épreuve. Bien, monsieur, fin de la première épreuve, on va commencer la deuxième épreuve qui s'appelle l'almanach. Vous allez devoir classer du plus ancien au plus récent les trois objets que je vais vous présenter. Le vainqueur gagnera 3 points, le perdant 0. Premier objet, une pâte à proutes. Ça, début, tu connais. Deuxième objet, une manette de Nintendo 64. Je pense que vous n'étiez pas né. Et enfin, l'album d'Oasis. Monsieur, vous avez 30 secondes. Vous pouvez vous concerter. Hein. Il vous reste 10 secondes. Ouais, c'est con comme le monde. Vos réponses, mais pour savoir qui va commencer, je veux juste un chiffre Chifumi entre Julien et Ryan en une manche gagnant. Chifumi. Ok, Julien, tu veux commencer ou pas? Ouais, on va commencer. Vas-y. Ah, quoi que. Ah, t'as dit. On fait ce qu'on veut déjà. Non, laisse sur la main. On est aux jeunes. Prenez la main. Du plus ancien au plus récent. Non, fais pas ancien, ce que vous avez dit. Du plus ancien au plus récent. Changez entre d'armes. Ok. Attends, tu vas dans quel ancien sens toi? Ancien nouveau. Ancien nouveau. Ouais. Très bien. À vous. Ça, on a dit. Ouais. Je vais vérifier les réponses. Bien les jeunes, vous avez un 0 sur 3. Mmh. Et les anciens, bravo. 3 points pour vous. Oh, non. Ça. Ah, ça va Delouis? Donc on va faire un petit point, sur les joueurs. Ça fait. Alors ça c'est 90. Je vais vérifier. Des Louis, sans les réponses. Ça c'est 95. Et ça c'est 97. Un point sur les scores. Les anciens 6, les jeunes 4. Ok messieurs, point sur les scores. 6 pour les vieux, 4 pour les jeunes. On va jouer à une nouvelle épreuve qui s'appelle le bonus offensif. D'accord? Une épreuve très simple qui va se jouer au Simon. D'accord? Donc vous êtes obligé de choisir une personne de votre équipe qui va défier l'autre équipe. Et le vainqueur remportera 3 points également comme celle d'avant. D'accord? Je vous laisse choisir votre équipe. J'y allais que si c'est Julien Delpo. Ok, donc Julien. Julien, t'es sûr de vouloir y aller? Et Laurent. Ok, messieurs, vous êtes prêts? Oui, qui commence? C'est Laurent Sampere qui commence. On y va. Vas-y, y'a plus. Non, à toi. À toi, Julien. Voilà. À toi, Laurent. No, 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 no.
triche, ça triche, ça triche. Attends, j'ai même pas suivi du coup. Encore une fois le rouge, encore une fois le rouge. T'es sûr? Trois fois le rouge. Rouge, rouge, rouge. Ok, à toi Julien. Même pas. Arrête-toi. On a jusqu'à quelle heure? Ça va être très très long là. Encore une fois, les jeunes, vous êtes inclinés. Julien, vous étiez presque. C'était une belle partie, ça a duré très très longtemps, même trop longtemps. Du coup, point sur les scores. Les vieux, 9. Les jeunes, 4. Il restera une seule épreuve pour vous départager. Non, mais ils sont à fond déjà. Ils sont à fond. Bon, ben on passe à la troisième épreuve. Messieurs, troisième épreuve. Happy finish. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous lire une partie d'un texte de chanson. Vous allez avoir trois propositions. Vous allez devoir trouver la suite. Si vous trouvez la bonne réponse, c'est un point. Et si vous chantez correctement avec le bon rythme, j'accorderai, en fonction de la bonne volonté, le deuxième point. Et on passe sur une chanson de Maître Gims, Tout donné. Les paroles, et tous les deux on foncera dans le mur. On va transformer la Ferrari en lambeau, je suis flatté. Petit A, tu me trouves aussi beau que Sylvain Nicolas. Petit B, t'as dit à ta pote qu'il n'y avait pas plus de beau gosse que moi. Petit C, tu as demandé dans tes prières un garçon comme moi. J'avais pas terminé. La réponse, c'est jeune. C'est bonne réponse. Allez, vas-y, chante. Essaye, improvise. Essaye. C'est ça là? C'est ça. Messieurs, le rythme. Allez, time. Ok, vous l'avez pas. Un point. On a pas. Et c'est quoi le rythme? J'ai le refrain, en fait. Non, j'ai pas. Ah, la tribu de Dana. Bon, celui-là, je l'ai, le rythme. Je pourrais vous le faire après, si vous voulez. Passons une chanson de Mano, la tribu de Dana. Les paroles, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Petit A, il y a une embrouille entre Rico et GG au bistrot d'à côté. Petit B, les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. Petit C, les chevaux sont attelés, il est l'heure d'y aller. Ah, c'est nous. Non, 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 non. Je crois. La tribu de Dana. On me dit que c'est les anciens. Donc la réponse? Dans la vallée, en de Dana, dans c'est pas ça les paroles. Dans la vallée, en jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée. De Dana, du coup, ce sera deux points pour les vieux. Un pour la réponse. D'ailleurs, j'aimerais bien donner un point de plus parce que c'était vraiment bien. Deuxième chanson. Ça vos parents connaissent, les jeunes. Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant. Grâce à A, Didier Deschamps. B, des fleurs des champs. C, la Fiat 500. Allez. C'est les jeunes. Réponse B. Bonne réponse. Ah, on chante quoi, nous? Moi, je la chante. Nous, on la chante. Tu vas perdre des points en plus. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs des champs. Bon, monsieur, un point chacun. Monsieur. Mais c'est pas la règle. C'est pas la règle, c'est moi l'arbitre. Merci, l'arbitre. Ah. Donc, un point pour vous, pour avoir donné la bonne réponse. Et je vais offrir un autre point aux anciens parce qu'ils chantent quand même vraiment bien. Troisième chanson. Black M, c'est pour vous ça. Sur ma route. Sur ma route, oui. Une vie de route. B, une vie de ouf. C, tu peux pas tester. Bim. Ok les jeunes. Je chante, chante. Route. Non, mais chante, chante. Ah. Chante. La chanson, c'est quoi?
De quoi? Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vidéo route. Bonne réponse. 3 points. Ça fait 2 points pour les jeunes. On fait un petit point sur les scores. Par contre, si on perd pour ce point, 12 pour les vieux et 8 pour les jeunes. Ah, c'est 8, hein? On est à 9. Si, on était à 6. Non, non, vous étiez à 6, ça fait 2 points. Tu gagnes, c'est 2 ou 3? 2 points, tu auras 2. Vas-y, on revient. On finit. Donc, fin de l'épreuve de la chanson. J'aimerais remercier les anciens qui connaissent mieux la musique que vous. Et surtout, qui chantent beaucoup mieux que vous. Donc, 12 à 8, on va passer à l'épreuve numéro 4. C'est les expérimentés. Les expérimentés, pas les vieux. Et messieurs, dernière épreuve. On appelle la question ultime. Si vous répondez bon, je vous pose une question. Les jeunes, vous êtes sur les vieux. Si vous répondez bon, vous marquez 4 points. Donc, si les jeunes, vous marquez 4 points, vous revenez à égalité. Si les vieux ne répondent pas bon, match nul. D'accord? Mais avant ça, les jeunes, c'est bien, je vais vous donner deux boissons pour vous donner un peu de peps parce que vous êtes un peu derrière. Merci. Donnez-en 4 fois. Donnez-en 2. Donc du coup, première question que je vais poser aux jeunes. C'est un rapport avec votre année de naissance. D'accord. Quelle célèbre série a vu le jour en décembre 97 mettant en scène une femme capable d'utiliser ses super pouvoirs en claquant des doigts et incarnée par Mimi Mathy? Joséphine, je regarde là. La bonne réponse. Bien. Du coup, les jeunes marquent 4 points. Et on se retrouve à égalité. Et les expérimentés, merci. Vous avez la victoire au bout de la langue. Ah oui, oui, oui. Comme quelqu'un. Tiens, tenez. Consacré par une victoire de la musique en 99. Quel chanteur? C'est la même famille que toi, l'Aziz. Je te rappelle. Oui, quel chanteur aussi surnommé le petit prince du rail a été couronné de succès pour ses titres Tellement Embrick, ou Dis-moi, ou il y en a une autre, je crois, Aïcha. Non, mais non, c'est pas Aïcha. Aïcha, c'est Khaled. Khaled, c'est tellement je t'aime, je pense à toi. Tellement je t'aime, passionnément. Du coup, votre réponse? Faudel. Bien. 4 points. Adieu. Ah ouais, vas-y, c'est parce que toi, tu faisais... On a gagné. Bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, le ZAT 90 Show. Victoire écrasante des vieux, 16 à 12. Bravo les vieux, les expérimentés. Bravo à vous, les jeunes. Retournez voir vos classiques, parce que c'est pas normal. Pour vous récompenser, les expérimentés, j'ai un cadeau pour vous. Un petit Play It's Party, un disque, je sais pas disque comment. Disque de platine? Peut-être. Ouais. Et si vous voulez bien, vous retournez vers la caméra pour faire un petit débrief. Et débriefer votre défaite et votre belle victoire. Tu veux le toucher, Ju? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre victoire? Voilà, on sait que les expérimentés, ils ont du mal à se lancer. Par contre, une fois qu'ils sont lancés... C'est comme un moteur diesel. Voilà, c'est un peu comme un moteur diesel. Une fois qu'on est lancé, on s'arrête plus. Et vous les jeunes, vous êtes partis sur les chapeaux de roue. Voilà, comme vous pouvez faire de temps en temps, pas sur le terrain, mais dans votre lit. Vous êtes partis comme des Ferrari et vous avez calé la mi-temps, alors que nous on est partis comme des diesels. Comme des diesels, tranquillement, des Mustangs. Hein, voilà. Une vieille Mustang et on a tenu le rythme jusqu'à la fin. Donc, j'espère que vous avez appris une fois de plus auprès de vos anciens expérimentés. Il a perdu la cheville. Et que... Bien, messieurs, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et longue vie au ZAT 90 Show. Merci. Oui.